Alors, comme dans toutes les cités romaines, les Romains installent leurs morts en dehors des murs de la cité. Donc, par rapport à un foyer d'occupation lyonnais qui serait donc centré sur le Forum, donc Fourvière, eh bien, les nécropoles, bien sûr, sont en périphérie. Alors, ça donne périphérie donc sud, périphérie ouest. Les Romains s'enterrent, 3e siècle, 4e siècle, grande nécropole. Petit à petit, quelques morts sont considérées comme plus importants que d'autres, en particulier les évêques dans une cité qui s'est christianisée. Sur la tombe des évêques, on vient construire des églises, c'est Saint-Irénée, c'est Saint-Just. Et quand il y a des églises et ce qu'on commence à considérer comme des reliques à l'intérieur, le corps de Saint-Just, le corps de Saint-Irénée, alors les chrétiens sont d'autant plus friands de se faire enterrer dans ces lieux-là. Donc en fait, il y a d'abord la nécropole. Après des églises, une fois qu'il y a des églises, il y a d'autant plus de chrétiens qui viennent se faire enterrer. Mais c'est la nécropole qui est première ici.